fais un vlog pour YouTube. Tu me réponds pas? Petite blonde là, pourquoi tu me réponds pas? Je t'ai vu parler mal de la villa. Ouais, parce que la mienne, t'as pas vu la mienne. Faites coucou. Ah, Théo s'en fout vraiment quoi. On se rend où là? On se rend à la place Jamefna. Jamefna. Pour manger, pour bien manger. Marrakech, je vais faire des vidéos aujourd'hui et je vais vous montrer l'Oriade. Ma chambre dans l'Oriade, le lit énorme, grave confortable, la salle de bain, regardez les murs, c'est trop beau. Je suis devenu celui dont on rêve, celui que je rêve, et tu me suis. Vous avez fait le tour là du Riad? Pas encore. Il y a un piano. Il y a un piano qui est arrivé aujourd'hui. Et qui ramène un piano dans la Riad. C'est Mira ça. C'est incroyable. Oui. Le bonheur redevient un autre coup dur. Hey. Je n'avais pas les moyens de bien me saper, maintenant je m'applique dans la route coup dur. Je connais que des phrases, après je connais plus. Il y a le soleil. C'est bon. Nina, c'est boucle d'or. Shakira. On m'appelle Shakira ici les gars. Je sens pas du tout à Shakira. Du coup j'ai réussi à trouver les autres qui étaient au resto, même si j'avais pas d'internet. Et j'ai pris un tajine kefta aux œufs. C'est la deuxième fois que j'en mange et c'est trop bon. Je suis rentrée au Riad. Là, je vais vous montrer un peu plus le Riad et les gens qu'il y a. Petit couloir. Et là, on a Vintage Tran. Et l'écureuil. On mange quoi? On va graille des sandwichs aux pommes de terre et aux œufs. J'ai mangé ça pendant un mois. C'est très bon, tous les soirs. C'est le plat des étudiants, des mecs qui ont pas trop de sous. Mais c'est, en vrai, c'est grave bon, ça passe trop bien, ça remplit le bide. C'est un truc à faire, ouais. Voilà. Alors, c'est comment, Vin? Très spécial. C'est normal, quoi. C'est vrai? C'est pas incroyable non plus. Quoi. Ok. Moi, je pense que je vais aimer, en vrai. Je vais goûter. On va essayer. Ah, ouais, ça va, hein. 2 euros. C'est une aventure. On est 16h, c'est la première fois qu'on est tous ensemble. On marche, limite, on prend toute la rue pour nous. Là, on... toujours dans l'exagération. Toujours. Nous sommes en train d'aller à un bar. Bar à cocktail, je pense, non? Ouais. Ouais, je pense. Sucre. Ça fait. Attention, attention. On est au jardin Majorel. On y va. C'est la tempête. Droit à l'image, c'est 50 dirhams. Ah, c'est pas cher pour toi.
Alors, t'en penses quoi de jardin? Waouh! Mais franchement, belle découverte. C'est un peu petit, je peux attendre un peu plus grand, mais c'est, ça vaut le coup. Ok. Et vous en pensez quoi? C'est trop laid. Je préfère les bâtiments de béton. Du coup, on est en train de faire la visite de parc. C'est incroyable, les couleurs sont trop belles. Les autres, ils ont fini de faire la visite, mais ils sont partis manger. Et moi, j'ai pas encore fini parce que je voulais faire quelques photos et j'ai toujours pas fait. Regardez comment c'est beau. On a fini la visite de parc, c'était trop cool. On commence un peu à pleuvoir et nous sommes à une heure de marche de Riyad. Du coup, je pense qu'on va essayer de prendre un taxi. J'espère qu'on va pas trop se faire arnaquer. Je sais qu'aux touristes, ils font bien payer cher. Quatrième jour à Marrakech, on est tous ensemble. On est venu à une station d'essence pour manger de la tangia parce qu'apparemment, c'est la meilleure adresse pour manger de la tangia. On va aller manger des tagines. Non. C'est tangia. Ah, parce que là, c'est les meilleurs du monde. T'en penses quoi, Guillaume? T'as goûté? Ouais, c'est normal. On va goûter. Ah là là là, c'est tellement bon. J'avais même pas besoin de couteau en fait. Pas l'idée, c'est trop bon. Vous avez aimé la tangia? Excellent. Excellent. T'as Guillaume? Banger. Alors la daronne, t'as aimé la tangia? C'était excellent. Et toi? Moi j'ai adoré la tangia. Du coup on a mangé une bonne tangia et là on rentre au Riyad. Quatrième jour fini, on est rentré au Riyad et là on va se coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Direction le quad. Tu vas avoir froid. Ouais, je vais avoir froid. J'ai déjà super froid. Ah. Ça, c'est une quad, ça? Non, mais tu... Là, est-ce que c'est le quad ou pas? Mais il y a quoi dans le désert? Non. Il y a du sable, de la terre. Toi, Anna, tu fais quoi? C'est ça, parce que tortue, pleine, les rapides, je vois une petite carrière. Là, on s'est arrêté, on a fait un petit tour, c'était un peu long. On s'arrête et on va boire du thé. Du coup, on est arrivé enfin chez l'habitant pour prendre du thé. On est dans le désert. On a fini de boire du thé. Maintenant, on reprend le quad. Ça fait baraka. On a fini le quad. T'as aimé? Non, j'ai adoré. Par contre, le seul problème, c'est que ça allait pas assez vite. Et quand ça allait vite, il y en a une qui est tombée. Ouais, regarde là. Alors, on a accident. Elle est toujours bouche les membres, les bras. Oh le délire. Du coup, on est rentré du quad il y a longtemps. Là, il est 21h et on va tous regarder ensemble la télé parce qu'il y en a qui passe à la télé. Et après, on va tous manger. Installation pour regarder à la télé. Anna. Oh. On n'a pas réussi à regarder l'émission de Anna. Du coup, on va juste manger pour fêter les 300 000 abonnés de Vintage Train. Il y a 3 personnes qui partent. Ah, c'est fini le voyage. C'est le jour 6. Je suis en train de me préparer. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Il est midi. J'ai pas de programme pour aujourd'hui, mais on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Il fait 15 degrés. Bon, c'est déjà mieux qu'à Paris, il neige. Mais bon, j'avoue, il y a un petit devant et il a plu un petit peu.
Là, il a arrêté de pleuvoir. Et direction manger. On s'est posé avec Ange. Aujourd'hui, c'est la journée couscous. Du coup, ce soir, on va manger couscous. Ça va être l'un des meilleurs tagines que vous allez manger. Il est vieux, regarde-le. Il a 80 ans. J'ai reçu mon couscous. Coucou, on est samedi. Je me suis réveillée très tard. Là, il est 14h. Je suis déjà prête et on va manger parce que j'allais manger de la journée comme je me suis réveillée tard. Du coup, on est allé au Titan Café juste à côté de chez nous. Et je vais prendre des omelettes avec des brouettes parce que c'est trop bon. On va boire un jus. Et ouais, un petit jus. Parce qu'on se faisait chier, on n'avait pas de programme pour aujourd'hui. Je sais pas, je vais voir sur le menu. Ah. On va boire des jus. C'est génial. On a le même vlog en fait. Voilà, on a bu le thé. Maintenant, on va faire le couscous avec mon chéri. Voilà. On va s'embrasser bien. Voilà. Après avoir pris un thé, on est rentré et là on allait au restaurant. Je vais prendre un couscous et ce soir on va au casino. Finalement, on est très fatigué après le tagine et les couscous et tout ça. On a trop mangé. Du coup, on va pas aller au casino. On va rentrer pour dormir. On est arrivé et là, je vais aller dans la chambre dormir. La daronne elle part. La daronne elle part demain. C'est fini le Maroc. On est dimanche. Il reste encore 2 jours et on part mardi matin. Aujourd'hui, tout le monde a fait des TikTok, des vidéos parce qu'on s'est rendu compte que on va partir, donc faut profiter. Là, il est quelle heure? 14h25. Et on va rejoindre les autres qui sont en train de manger. Si vous avez remarqué, tout le temps, on rejoint les autres en fait. Oh, Mira avec tes cheveux rouges, c'est tellement beau. C'est vrai? Ah, bah t'as tout gâché. Oui. Se viene testa, vuol dire che basta. Vas-y, on se teste. Let's go. On fait des backstage. Se viene testa, vuol dire che basta. Lasciamoci. On est en train de marcher, on va faire un hammam. C'est un bon hammam et tout. Et ensuite, ils te font un gommage de corps. Et même, ils te craquent les os et tout. J'ai trop hâte de tester. On est arrivé. Et oui, on est arrivé. On va faire un gommage de corps. Hammam, gommage, savonnage et massage. Dernier jour à Marrakech, oh là là, demain matin on part. Ce matin je me suis réveillée et on est allé avec Charlotte faire un court métrage que vous allez voir sûrement parce que ça a percé. C'était trop bien les plans et tout, dommage j'ai pas filmé parce que bon j'étais concentrée. Et là on mange vite fait parce que dans 10 minutes on doit aller dans le désert. On est arrivé. Une fontaine sans eau.
va rentrer après une petite balade dans le désert. Et j'aimerais vous parler de hier parce que je vous ai pas trop raconté. En fait, hier, je suis allée dans un hammam, mais c'était pas un hammam comme les hammams normaux. C'est un hammam traditionnel marocain. En fait, c'est un endroit où on te lave, vraiment, on te fait un gommage de corps et tout. T'es un enfant. Je suis essoufflée. Il est 7h50. C'est le jour de départ. Je suis pas du tout triste. On est en train de se préparer. J'ai ma valise. On descend et on y va. Vous êtes triste? Non. Je suis la seule à être triste là. Ouais, t'es triste, genre de ouf, je suis un peu rêve. Hein? Bah peut-être, ouais. Moi j'ai hâte de rentrer sur Paris. Ah bon? Ouais, parce que j'en ai marre d'être avec vous. Et toi, t'es triste? Un peu, hein. On y va! Parti pour la France et le froid!